Moi j'aime les jeux vidéo, je suis fan de Nintendo. J'ai la NES, Super NES, un Nintendo 64. Quand je vais sur eBay, j'achète tout plein de jeux, oui. Je suis fan de Mario Bros, et ça c'est depuis que je suis gosse. Seule façon pour que je sois bien, c'est d'avoir une manette en main. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde. Geek de merde, geek de merde, je suis un sale geek de merde. Je suis un sale geek de merde, je suis un sale geek de merde. Salut à tous, c'est Cheche et on se retrouve une fois de plus sur Skyrim, mais cette fois-ci, vu que c'est l'été et que la plupart du temps il pleut, je vous propose de vous amuser sur Skyrim avec des petits mods, dont celui-ci, qui me plaît assez bien car, comme vous pouvez le voir, il a une aura enflammée. Donc je vais vous proposer plusieurs mods, dont celui-ci. Et franchement, putain, j'avais même pas fait gaffe et tout, mais... Même au niveau des points et tout, tu peux voir des comme si les flammes circulaient en lui, quoi. C'est classe. J'aime beaucoup. Donc en fait, on a plusieurs choix de... Bah oui, je suis en mode combat. Voilà. Donc celui-ci est l'aura enflammée. Sur le côté, donc on a le God Mode, Max Kill, etc. Alors... Donc, ça c'est le fire parce que j'aime les flammes. Ensuite, on a celui-ci. Alors, par contre, si. Comment votre jeu et tout. Comment dire. Avec les mods, en fait, selon le mode et l'ampleur du mode, des fois ça peut avoir du mal. Comme là. où le jeu me dit non. Ah là là. C'est comme pour les quand vous voulez ouvrir votre inventaire, s'il y a trop d'objets, il va ramer. C'est comme mes problèmes quand j'ouvre les coffres. Et... Ben non, c'est juste qu'il a pas voulu le mettre. Ah si, voilà. Ah, parce que je peux mettre les deux. Les chauves-souris plus le... D'accord, je ne savais pas. Ou soit il y a eu un bug, il est resté sur celui-ci. Oui, c'est ça. En fait, il a bugué, la sauvegarde a bugué et il met tout en même temps. Donc celui-ci, c'est bah, celui du fantôme. Non, pas ça. Voilà. Frost, bah non, c'est la glace. Je suis con. Oh là là. Ghost. Voilà. Donc j'ai mis tous les auras. Super. J'étais pas au courant. Gavzen, je sais pas ce que c'est. Invisible. Ah non, ok. On a Alors effectivement, la vue n'est pas très dégagée quand ça se fait ce genre de bug. Le Giant Club, vous connaissez tout ce que c'est. D'accord. Ah ok, c'est au niveau du bandage, au niveau des yeux, ok. Ouais. Alors attendez. Tac. Tac, tac, tac. Normalement ça devrait les enlever. Ou pas. Bon bref. Vous rechargerez la sauvegarde. C'est classe quand même. Vous rechargerez la sauvegarde et tout si jamais ça fait ce genre de problème. Normalement ça devrait pas, moi j'en ai pas eu. Alors pour ce mode et tout, il vous faut simplement le DLC du truc des vampires, je sais plus c'est quoi le nom, et voilà. Ça reste le même mode que j'ai, sauf que moi, bah ici c'est par rapport à Mirac. La plupart, alors ça, c'est des armes dont je n'ai pas utilisé, mais voilà. Ça a l'air quand même assez pété, voilà, les prêtres dragons, c'est... Par contre, du coup, à cause de tout ça, j'ai le jeu qui galère un peu. Le décor n'est pas du tout le même que celui que j'avais. Ça, c'est... Bon, à part quelques-uns. Mais voilà. Bon, bah là-bas, c'est le truc des potions, comme vous le savez. La forge. Là-bas, c'est par rapport à toutes les guildes. Ça n'a pas changé.
Ici, bon, bah, c'est votre chambre. Ici, tous les bouquins ainsi que tous les parchemins. Enfin, voilà. La cuisine, on s'en fout, on est immortel. On n'a pas besoin de bouffer. Dans la cave. Oh, on a des gens bien. On pratique du SM. Hein, quoi? Comment? Non, 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 non. Nous avons les pierres. Les fameuses pierres. Bon, bah, comme j'ai pas le. Vu que ça fait pas partie du DLC de l'hôte avec Mirac, bon, bah, voilà. Hein? J'aurais pu mettre ma sauvegarde, mais le problème c'est que je l'ai pas retrouvée quand vous êtes niveau 1. Bon, du coup, en fait, vous vous retrouviez avec toutes les quêtes déjà que j'ai faites. Ici, vous avez tous les coffres, les munitions, les livres, les bijoux, tout ça. Alors, par contre, faites attention avant d'ouvrir un coffre. Ce que je vous propose, c'est de sauvegarder avant. La sauvegarde peut mettre un peu de temps et tout, c'est normal, vu le contenu, normalement, t'es pas censé avoir tout ça. Donc, je vous préviens, sauvegardez avant de faire toute manipulation avec un coffre. Surtout ici, quand t'es dans un mode. Parce que des fois, ça te fait friser. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Donc ici, c'est tous les trucs des draps, voilà. Ce que je trouve toujours con, c'est qu'ils ont pas mis justement les équipements des draps à ce niveau-là. Ça aurait été plus logique. Donc voilà. Donc après mon perso tout en flamme et voilà, on se retrouve toujours dans la même baraque. Ah, putain de merde! Oh. Oui, j'ai flippé. Ah, sa mère. Alors lui, c'est votre compagnon. Petit, mais il fait flipper. Putain, par contre il vous obéit pas, hein. Si vous lui dites de rester à un endroit où qu'il peut se barrer, il le fera pas, il restera toujours avec vous. Donc dans tous les cas, vous voilà. Donc dehors, putain, et il te suit vraiment de près quoi. Donc voilà, pour ce mode. Hop 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 hop. Alors, là j'ai pris la 135, je mettrai les liens dans la description pour, enfin le lien, parce que normalement le lien vous rapporte à tous mes modes. Donc, référez-vous, je sais pas si c'est marqué mais on m'a dit que oui, référez-vous aux chiffres, par exemple là c'est la 135 si vous voulez celui-là, si vous voulez bah, le prochain que je vais vous faire montrer, il faudra prendre la 132, ou sinon bah, prenez les tous et puis vous verrez par vous-même. Donc le manoir. On commence niveau 9, hein, j'ai pas eu le choix. Je tiens à le préciser. Pour ce qui est de. Comment dire? Pour ce qui est de les installer et tout, normalement, la plupart des gens devraient le savoir. C'est via un logiciel qui s'appelle Horizon. Donc vous mettez votre sauvegarde, celle que vous voulez, on va dire, supprimer. Donc à la rigueur, faites plusieurs sauvegardes d'affilée, histoire d'en avoir, même si c'est toujours la même, on s'en fout, c'est juste histoire de remplacer par celle que j'ai. Et comment? Donc la sauvegarde, vous la mettez sur une clé USB. De la clé USB, vous passez votre clé USB sur le PC. Il y a un dossier qui s'appelle Content, et normalement les sauvegardes sont dedans. Après, c'est à vous de chercher, mais avec et vous le faites via Horizon. Donc voici le dernier. Enfin, le dernier, un des modes. Alors, vous amusez pas à aller de l'autre côté de la base? Non, c'est la merde. Je vous le dis carrément, c'est la merde. Donc, il y a plein de mains qui ressortent. Ça me fait beaucoup penser à Doctor Who, quand il est avec le créateur des Daleks au tout début, qu'il y a des mains qui sortent de la Terre et que. Enfin, voilà. Pour ceux qui connaissent. Donc, il faut bien suivre le pont. Et voilà. Parce que entre deux, regardez, c'est le vide. Et oui, j'ai fait la connerie de descendre moi aussi. Mais sauf que j'étais obligé de recharger. Bon, bah voici tous les coffres. Je vous le redis encore une fois, sauvegarder avant de les ouvrir. Les fameuses armures. Et là, on a quoi? On a quoi? Eh ben, on les a pas parce que je les ai dans l'inventaire. Oui, j'ai quand même, j'ai un peu voyagé dans mes modes. Alors, c'est dans les armes normalement. Voilà, on a celle-ci et celle-ci. Il portait un nom chelou, alors je me suis dit que ça devait être sympa. Alors, après vous avez tous les compagnons. C'est un honneur de vous Ta gueule. revoir, mon Tan. Donc là vous avez tout.
C'est un honneur de vous revoir. J'étais à la cave, hein. Soit je suis sous, soit vous n'avez plus de vêtements. Les deux, peut-être. Ah bah oui. Oui, non, mais c'est normal, ça. Oui. C'est tout à fait normal. parce que je crois que j'ai mis... Voilà. Alors, quand vous portez les trucs là-dedans... Par contre, je sais pas s'il y a l'immortalité, j'ai pas encore testé. Quand vous êtes là-dedans, en fait, pour eux, c'est comme si vous n'aviez pas de vêtements. Voilà. Un amas de glace, ok, pourquoi pas. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est un honneur de vous revoir. Lydia. C'est un honneur oui, de vous tu vas finir dans ma chambre, toi. Hein, quoi? Bon, bah ici, il n'y a rien de spectaculaire. Ok, je peux pas descendre par là, super. Si, je crois que dehors, il y a un truc sympa. C'est un honneur. Pardon, pardon. Je crois que dehors, il y a un truc assez sympa juste à côté de la maison. Donc j'ai été surpris. Si c'est bien cette sauvegarde-là, elle est sympa. Parce qu'il y a des choses, tu te dis, putain, s'il y en a d'autres ailleurs, ça peut être stylé. Pour ceux qui aiment le chaos ou qui ont envie de faire une partie où ils foutent le bordel, j'ai pas tout visité, mais... Alors, normalement, c'est juste ici, à côté... Oui, c'est ça. Alors là, on a un fantôme qui travaille à la forge. Normalement, là, on a un orc. Calme-toi. Lui, bah, il est à poil. Et là, on a une putain de catapulte. Putain, il me parle de loin, lui. Je suis sûr qu'il a une énigme à te donner, en fait. Et... Bon, par contre, vous remarquerez que... Hop. Et c'est encore rechargé. Et on se pas arrêté, hein. Je me souviens de bord de ciel. Il parle beaucoup trop, hein. On est d'accord. Là, normalement, je crois qu'il y avait de l'eau, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de la flotte. Non. Je pense que de base, il devrait y avoir de l'eau. Là, je sais pas ce qu'il y a dedans et j'ai pas envie d'ouvrir parce que les chargements sont affreux. Alors, ce mode, je sais pas s'il y a le gun mode. En tout cas, je crois que c'est la version fun que j'ai pu trouver. Non, c'était pas celle-ci. Il y a une version où elle est assez stylée. Alors attends, je vais regarder s'il y a le gun mode au cas où. Pour cela, on va partir le plus haut possible. Tu sens le mec qui a bien torché le jeu? En tout cas, mon endurance n'a pas l'air de descendre. Écoutez, on va voir ça. Ok, vous avez pas le... Vous êtes pas immortel. Bon. Bah, en tout cas, pour ceux qui m'aiment pas trop ce principe-là d'être immortel, bah, vous avez un mode assez sympa. Enfin, voilà, quoi. Juste... Non, pas ça. Non, oh là là, j'ai du mal. Non. Ok. Juste vérifier un truc au niveau des... Ok. Non, parce que la plupart du temps, quand vous avez des civilisations déjà... Non, c'est juste que le mec, en fait, il a tracé tout droit, mais c'est bizarre qu'il a rien trouvé d'autre. Des fois et tout, en fait, comment, si vous voulez, dans les endroits comme ça où c'est déjà éclairé, c'est qu'il y a quelque chose à avoir, en fait. C'est soit le mode a fait en sorte qu'il y a un truc à voir ou pas. Donc voici, bon, c'est pas un gros mode, hein, mais bon. C'est toujours ça, quoi. Ensuite. Je m'attends au pire. Non, parce que, en fait, je suis dans le truc de la peur. Où je vois mon jeu. Qu'à un moment donné, tu sais, à force de charger les sauvegardes modées, il me fasse « Non, tu arrêtes maintenant. » Je suis plus là. Ah,
Oh là là, mon Dieu, il est blanc, il est... Il ressemble à rien, hein. Alors, je crois que c'est de la peinture qu'il a. Bon, bah là, vous êtes en des draps, hein, voilà. Votre cheval, il est électriquement mort. Alors, on se positionne où précisément? C'est déjà, on voit que ça a été ajouté, déjà, c'est flagrant. Il y a plein de trucs qui ont été. Alors, au niveau de la carte, on est où? On est à Fort Ivar. D'accord. Donc ça, de base, ça doit être là. Ça doit pas être là. Donc à mon avis, il y a juste ça et puis l'auberge qui est là-bas. Elgen, Ouais, détruite cool. par un dragon. Donc ça, normalement, Elysia within Skyrim. Ok. Quand tu ouvres déjà la porte, ça annonce la couleur. Oh! Oh. Ok, c'est du Dwemer, quoi. Donc on a la Forge au ciel, voilà, j'en étais sûr, hein, logique. Est-ce qu'on a le God Mode? Ah, on n'a pas de favori. Ok, ça commence bien. Des coffres. Coffre. Franchement, j'hésite à les ouvrir. Allez, on en ouvre un juste pour voir. Grenade lingot. Ah, ça va, ça bug pas. Ok, donc il n'y a pas grand-chose à... Oh, je peux utiliser l'hôtel? D'accord, ok. Ça c'est stylé. Ah, ok, on n'est pas immortel non plus, hein. C'est flagrant, je crois. Mon endurance est vachement bas. Alors, où est-ce que... Alors, quand je vois ça, j'ai un peu peur. Parce que j'ai bien peur que ça soit, vous savez, où Bob Lennon il a fait sa petite chanson en mode j'appuie sur tous les boutons et c'est le pif, oui c'est ça. Pourquoi il a fait une salle avec ça? Et en plus il n'y a même pas les boutons. Mais quelle est cette salle? Alors. J'ai aucun sort, ok. Magie. Non. Flamme. Bah merde, attends, je suis allé trop loin, quoi. Blizzard. Ah! C'est confirmé, je suis pas immortel. Putain, mais c'est pas ça que je veux. Je sais, je dis pas mal de gros mots, et alors? Froid mordant, voilà, ça doit être ça. Hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Je sais qu'il y avait une manip et tout à faire par rapport aux flammes, tout ça, donc on sait jamais. Ah. Non, bah ça a rien à voir, voilà. C'était juste pour être sûr, mais ceci n'a strictement rien à voir. Bon, bah je vois pas trop l'intérêt de cette maison, à part qu'il y a tous les équipements pour faire ce qu'on a à faire, qu'on a pas mal de coffres pour stocker tout ce qu'on a aussi. Donc, oh, figure faible. Merci les aides, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt, un espace vachement vide, un coffre vide. Au niveau des équipements. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ah, crochet, ça, ce qu'il faut, hein. Non, bah franchement, je vois pas trop l'intérêt de cette maison. Je le dis, c'est pas clair. Ça a été ajouté aussi, c'est clair. Oh! Ah oui! Je peux vous Ils aider? sont tous capitaines, c'est ça? Oui. Ah non, légionnaire, légionnaire, légionnaire. Eh, mais. C'est un fort en fait qu'on a fait là, c'est chez nous quoi. Tu es putain!
Et moi, je suis le chef des draps, quoi. C'est classe quand même, hein. J'avais pas vu ça comme ça, en fait. Apprenti, d'accord. Non, j'ai la clé. Donc ça doit être, on va dire, chez moi, entre parenthèses. Vous n'êtes pas un trouble fête, Non. j'espère. Que puis-je pour vous, camarade? Vous vous rendez au Haut-Rodgar? Moi aussi. Je m'apprête à y aller pour faire une livraison. Ok, bah ça a l'air d'être un PNJ, donc peut-être pas... Ça a été ajouté. Si, forge ciel, je suis désolé, ça a été ajouté. Ok, donc on a ceci. Vitre vide, 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 vide. Allez, commode... Ah. On va commencer par le bas. Ouh, c'est stylé. Ouh, c'est stylé. C'est notre trône, ça? En gros, on est un peu chez nous, quand même. Élégiac. D'accord. Bah, c'est assez stylé, hein, en soi. Par contre, c'est moi où... Où mes pieds étaient dans... Non, c'est bon. Ok, bah... Ouh, ça fait... Non, c'est sympa. C'est... Bon, ce qui est con, c'est que tu peux pas être en multijoueur et ou en coop, tout ça, pour faire montrer ça aux autres, hein, c'est juste dans ta game, mais bon. Ah. Ah. Ça y est. Ok, c'est bon, on commence à avoir tous les objets, là. Non! Oh! Alors, je vous avoue que je l'ai déjà visité vite fait. Non! Attends, t'es sérieux là? C'est quoi l'arnaque là? Attends, là, il faut qu'on m'explique. L'essor d'illusion coûte 600. Ah oui, d'accord! D'accord, ok, bah c'est assez sympa hein, en soi. Par contre, oui, il n'y a pas trop de coffres pour vous dire. Là, c'est tout ce qui est bouquin. Il n'y a pas de coffre de. Métal. Bah non, mais dans l'autre, ça doit être pareil. Alors, lui, il sert à quoi? On s'en fout de il ce qu'il raconte. Hein. Comme ce sont. Néanmoins, il n'en ferait rien. Je livre sur. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup. Eh bien, nous avons... Le problème, c'est que je suis plus tout jeune. Vraiment. Tenez, prenez ce sac de provisions. Eh bien, on rencontre... Sinon, faites attention où okay, vous posez donc, les pieds. Durant je sais pas si cette quête... comment dire? Si c'est un ancien bâtiment refait, ou... comment? S'il y a vraiment cette quête... Enfin, justement, qu'il y a vraiment cette quête, ou c'est... Je sais pas, ou peut-être des trucs ajoutés, je sais pas. Ça me perturbe un peu d'ailleurs, parce que j'en ai pas le souvenir. En même temps, j'en ai fait tellement... Bon. Eh ben, il reste plus que l'auberge, mais je pense que l'auberge était déjà ici. J'en suis sûr à 99%, voilà, il n'y a rien de ouf dedans. Voilà, bon, voilà. On a fait le tour, je pense. On a fait les deux maisons qui me paraissaient être ajoutées. Il n'y a rien de plus ou rien de moins, du moins ce que je peux en détailler. On a une armée ici. On peut juste leur parler. Oui. Donc l'immortalité, ça c'est sûr, on l'a pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a des champs, ce qui est pas trop mal. Un moulin, ouais. Alors juste... Ah d'accord, oui, c'est confirmé, ça a été le fort... Toute la muraille, tout ça a été ajouté, car normalement, je ne pense pas que ça y ait tout ça. Hein. Non, bah, je trouve ça assez sympa. Bon, bah, lui, il est quand même classe, hein, on va pas se le cacher. Électrique fantomatique. Ça rime et je l'ai pas fait exprès, putain. Donc voilà. Ça, c'était pour ce mode. Il est pas foufou, mais bon, c'est toujours ça en plus. Puis au moins, on a une maison gratuite. Avec ce qu'il faut comme emplacement, hein. Alors.
celle-ci. Celle-ci, c'est, je vous le conseille pas trop, c'est juste de l'exploration, hein. Vous faites rien. C'est un mode où j'ai vu comme quoi on pouvait être un dragon. Mais dans le sens du truc d'être un dragon, je pensais surtout à se transformer en fait et que le jeu n'aurait pas de problème avec ça. Et en fin de compte, c'est que de l'exploration. Mais c'est, vous n'attaquez pas, on ne vous attaque pas, et voilà. C'est que de l'exploration. Par contre, je crois pas que vous êtes immortel. Alors, je suis pas sûr sur le truc du fait que personne ne vous attaque, mais je crois que c'est ça, c'est un mode d'exploration en mode dragon. Je sais même pas si on peut s'envoler. Je l'ai pas testé de A à Z en fait. Par contre, les temps de chargement sont un peu longs. Effectivement, pour télécharger la texture, vous avez vu ça. Il est pas bon mon dragon. Ça c'est vous en fait. Ah, ça a de la gueule. Hein. Voilà, ça c'est comment les gens vous voient. Là, voilà. Alors, il n'y a pas de... On peut pas sauter, on peut pas... Est-ce qu'on a un menu au moins? Ah, attendez! Non! Je l'avais pas vu ça! Allié draconique. Ah ok, en fait il fait tout le temps ça. Alors, par contre j'aimerais juste... Je me suis pas trompé, je l'ai bien mis. Oh, je crois qu'il a... Non, ça veut pas. Donc du coup, créer des ferlements, est-ce qu'il y a un truc... Impulsion. Non, l'écrit ne marche pas, donc je vois pas trop l'intérêt. Objet. Ah, il porte quand même des objets, hein. Alors, faudra juste m'expliquer à quoi sert ceci. Quand tu es un dragon et tu ne peux pas attaquer, parce que là je spam la touche pour attaquer, ça ne marche pas. On peut fouiller les gens quand même? On peut. Ah oui! Tu vois la différence de taille? Non, bah écoute. On peut attaquer. Ah, un peu de mal. Bienvenue dans mon âme. D'accord, ok. Bah écoutez, comme je l'ai dit, c'est de l'exploration. Normalement, personne ne vous attaque. C'est un peu ça, quoi. L'écrit ne marche pas. Tiens, j'ai l'impression que j'étais plus en l'air que... Ouais. C'est un peu... Voilà. C'est pas ouf, hein. On va pas se le cacher, y'a rien à dire d'autre. Je pense pas qu'il y ait des... Voilà, tout est ouvert. C'est vraiment de l'exploration. On est d'accord, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite... Donc ça, c'était le dragon. Alors en fait, ce mode là, il m'avait intéressé parce que dedans il y avait marqué Ghost Rider. Je me suis dit, si c'est comme dans le film, ça peut être sympa, tu vois. Ton cheval qui est enflammé et tout, comme à la fin du premier où le gars c'est un cavalier. Je me suis dit, putain, si c'était en mode cowboy, c'est la classe quoi, ça pète. Moi qui aime bien tous ces trucs là, ça a de la gueule. Et non, ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Vous êtes juste un fantôme. Vous êtes le cavalier sans tête.
Si je me souviens bien, c'est ça, c'est que vous êtes juste le cavalier sans tête. Oui, c'est ça. Dans un sens, c'est pas mal. On va pas se le cacher. Alors oui, comment... Il y a ce drogueur qui vient vous attaquer, le coffre, il est... J'ai pété je sais pas combien de machins dedans à recharger la sauvegarde pour savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a que de la merde. Je préfère le dire. Je n'ai pas regardé, il n'y a pas de favori. Bah, vous avez un niveau, bref. L'armure, bon bah voilà. En armes, vous avez de la merde. Et vous avez 16 crochets. Dites-vous, j'ai claqué les 16 crochets dans cette merde. Niveau de la magie. En pouvoir, cri de guerre, effectif, ghost, et votre sang. Ok, on s'en fout. Destruction, vous avez flamme, guérison, soin. En gros, c'est comme si vous avez commencé le jeu. Hein. C'est exactement la même merde. Au niveau des cartes, vous êtes paumé. Il y a du brouillard, il y a tout ce qu'il te faut. Et en gros, vous êtes paumé. Je prédis quand même que l'immortalité n'est pas là, car mon endurance, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc c'est juste une partie pour être le... Ok? Ok! C'est ma tête là qui est raccord ou ça fonctionne comment? On va essayer d'aller le plus loin possible. Ah, le plus loin possible. Ça se passe comment? C'est que tu bloquais là-dedans parce qu'il y a un sceau, il y a une malédiction ou... J'ai un sort spécifique pour... Ah non, 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 c'est... En fait, selon la, à un moment donné, toute la distance, en fait, ça revient sur vous et de là, en fait, ça reprend un point. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, attends, par contre, je veux juste vérifier à qu'est-ce que ça correspond. Ah, est-ce qu'en mode normal, on le voit pas, ça? Je pense que c'est ma tête, hein. Ça me paraît très logique. Ma tête, mon sang, c'est... Hein? Parce que votre imagination vous le dit. Ou juste un trait de merde, parce que ça a bugué. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait, Thierry. Allez, on passe à la suite. On l'avait fait, ouais, voilà. Alors, celui-ci, je vais pas le mettre. C'est tout con. En gros, vous jouez comme si vous aviez commencé le jeu. Mais en des draps. Tout simplement. Votre personnage, en fait, c'est un des draps. C'est tout. Il n'y a pas de mode spécifique. C'est juste que vous commencez ni en nordique ou quoi que ce soit. C'est des draps. Voilà. Pour ceux qui voulaient de base devenir un vrai des draps, là, ils le peuvent. Voilà, c'est la 125. Ensuite, ceci me dit rien du tout. À moins que ce soit celle où il y a... où il est ouvert, je sais plus. C'est long. Ouais, c'est ça. C'est le mode Hulk. Ouais, cherchez pas. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'il y a des armes de partout. Alors, votre inventaire est déjà rempli de tout ça. Donc, comme vous chargerez celle-ci, c'est déjà votre inventaire est rempli de ces armes. Je crois qu'il n'y a rien de ouf à dire là-dessus, hein. C'est juste que bon bah vous êtes vert et que voilà, vous êtes immortel, il y a des armes partout. Hein, c'est le cas de le dire. Pour ce qui est si de la carte, on sait jamais, peut-être que j'aurais loupé un passage.
Alors ça, c'est pas moi qui l'ai personnalisé, c'est qu'il y a quelque chose à Blancherive. Et on va y aller tout de suite. C'est long! C'est trop long! Bah, il n'y a rien à Blancherive. Vous là, M'en fous! la garde de Ouais, l'aube bah les recherche. couilles! Là-bas, ça se... Ça se tape, ok. Pourquoi elle dit j'arrête? Elle a rien fait. Il se passe quoi? C'est quoi qui attaque au juste? C'est lesquels là-dedans qu'il faut taper là? Parce qu'en fait, je le vois pas moi. Ah, c'est lui. Ah, par contre, les armes ne font rien du tout. Mais elle est électrique. Très bien. Ah, attends, est-ce que j'ai des favoris? Non, pas de favoris. Alors, je vais vérifier un truc. Comment je vais faire? Je voulais vérifier si on est immortel. Alors, lui, ce mec, il va jamais se coucher, hein. Ils ont mis... C'est au cas où si s'il y a des suicidaires comme moi, ça en fait. Ouais, mais ça me fait chier, moi je voulais voir si j'étais immortel. Bah, au pire, la meilleure façon de savoir si je suis immortel. Il paraît que la garde de l'aube est... Vous avez commis des crimes Non! contre Bordeciel et ses habitants. Bah apparemment j'ai l'air d'être immortel, hein. Je crois que j'ai le God Mode. Hein. Oui c'est ça, j'ai le God Mode, c'est bon. Et le principe de Hulk. Donc en fait il y a juste le God Mode, vous êtes vert, il y a des armes de partout. Voilà. Je crois que c'est ça. Bon bah on va passer à la suite. Ah, vous avez vu ou pas le petit bug là? Ah, j'ai eu un doute là, franchement, je me suis dit merde, ça y est, c'est la fin. Il va ça me faire tout planter. Je reviens sur un point pour installer les mods. Au pire, vous cherchez sur internet et tout comment faire avec une clé USB, je pense que vous trouverez. Et le plus souvent, c'est Horizon, parce qu'il y a d'autres logiciels, mais ils demandent de payer. Et payer pour modder, c'est un peu du foutage de gueule, j'ai envie de vous dire. Et ben, c'est vachement grand. Tout ça, c'est vide, hein, je préfère vous le dire. Ainsi que les armoires, je crois. Voilà, les étagères. Mais bon, c'est joli, c'est grand, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des socles vides. Normalement, il devrait y avoir sûrement des mannequins, mais ils ont disparu. Voilà, cet endroit, je sais pas pour vous, hein, mais bon, la salle est différente, certes, mais ça me fait penser un peu à dans Camelot. Tu sais, les chaises sont un peu disposées de même façon que dans Camelot, bon, sauf qu'il n'y a pas l'étagère. Quand il se met près du feu et qu'il déprime à moitié. Normalement, je crois qu'il y a une cave. Un placard? Non. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, il y avait une cave. La cave prend, pareil, la superficie de la salle d'avant. Mais légèrement sympa, hein. Vous avez votre petite plantation. Malheureusement, pas d'herbe. Hein, quoi, comment? Je vous vois là, avec votre petit sourire là. Hein. Et ben voilà, c'est bon, il y a tous les ateliers. Ce qui manque toujours, c'est les coffres, tout simplement. Hein, ces putains de coffres.
Je vais avoir du mal à lire, c'est tout petit. Ce qui manque, oui, c'est les coffres, hein, on est tous d'accord. Ça, on sait même pas à quoi ça sert. À mon avis, c'était un début de mode, ou je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais en tout cas, il l'a pas fini, hein, ça c'est sûr. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. De toute façon, après, il y a rien d'autre à dire. Je ne pense pas qu'il y ait... La maison, elle est tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Il n'y a pas de... Non. Ah, peut-être une chance dans ce coffre-là d'avoir quelque chose. Bah non, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, c'est pas un mode... C'est juste qu'il y a beaucoup de superficie, que bon, bah on a une belle baraque, voilà. On va quand même jeter un petit coup d'œil dehors, on sait jamais. La vidéo va sûrement durer un peu de temps, mais bon. Je vous présente vraiment tous les modes. Il y en a certains que je vais sûrement sauter, parce que il n'y a pas grand chose à dire. Comme celui que je vous ai dit, où vous jouez un Dédra en tant que classe. On va appeler ça des classes. Alors, le plus souvent, si... Voilà, bon. Ah, ça a été déjà... D'accord, ok. Bon, bah, il n'y a rien. Comme on peut le voir, il n'y a rien. Faites attention. Je vous cherche... Voici une lettre du chambellan du Yard. On s'en fout. Je crois que c'est bon. Il n'y a rien du tout. Bon, déjà... On sait d'office qu'on n'est pas, immortel, ça c'est sûr. Alors, ensuite, la suite. Prisonnier nordique niveau 1. Je crois que celle-ci, il n'y a rien de spécial non plus. Oh! Malak. Il y avait marqué Malak. Malakim. C'est long. Je peux vous aider? Ah oui. Alors ceux-ci sont des PNJ. Oui. Je crois. Oui. Oui. Alors après, mon frère m'a dit un truc, c'est que ces gens-là, en fait, correspondent aux habits de ceux-ci. C'est oui. Le mode un peu... voilà. Je peux vous aider? Vous n'êtes pas une de ces brutes à liquir, n'est-ce pas? Il ne porte rien. Bien le bonjour. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Oui, oui, tu peux m'aider. Il vous faut quelque chose? Micro-pénis. Hein, bonjour. Quoi? Eh ben, voilà. Et je crois que c'est juste le mode fun, justement, de vous parler. Donc, si c'est le cas... si, c'est ça. Carte. Si c'est ça, on va aller directement là-bas. Et vous allez voir la gueule des PNJ. Un PNJ peut devenir une chèvre. C'est n'importe quoi. Je l'ai pas exploré entièrement ce truc, mais je pense qu'il y a du potentiel. Hein. Je sais pas comment le mec s'est arrangé pour faire ça, mais il l'a fait. Alors... Ça ne m'intéresse pas, Jerry. Donc, en fait, c'est pas tous les PNJ qui sont pris en compte, je crois que c'est surtout les gardes. Ouais, voilà. C'est surtout les gardes, en fait. Ça, c'est des gardes. Les archers qui s'entraînent contre ça, hein. Vous pouvez vendre cette vieillerie chez Bric-à-Brac. Moi aussi. Voilà, c'est normal, hein. Tout à fait normal. Oh non, pas le messager, au secours. Ah, oh, Irsine. Faites attention. Si je me trompe pas, c'est bien, c'est Irsine, hein.
Je crois qu'il faut. C'est le cerf blanc là qu'on doit tuer pour avoir sa bague. Ok, bah Yersin est maintenant employé en tant que garde légionnaire. Il en avait marre de sa vie de Dédra, tout ça, enfin voilà. Bon, voici, ça c'était le mode en mode fun. Donc bon, c'est histoire de rigoler un peu quoi. Ah, je vous ai jamais dit comme quoi mes modes étaient sympas ou des trucs carrément pétés hein, par le premier, mais sinon. Alors le drogueur, c'est comme le dragon. Vous êtes un drogueur, vous êtes dans. C'est beau hein, là où vous êtes, mais bon. Vous êtes un drogueur, personne, les drogueurs ne vous attaquent pas non plus, donc à mon avis c'est juste de l'exploration, vous ne pouvez pas attaquer non plus. Et on va arriver sur le dernier mode, c'est celui-ci. Vous êtes de base level 100, hein. Les niveaux, c'est pas moi qui les choisis. Si vous êtes 9, 10, 15, 20, 100, c'est pas moi qui choisis, hein. C'est comme dans certains de mes modes et tout au tout début. J'étais dans les 200 et quelques, je l'ai pas choisi, c'est le mode qui est comme ça. Mais ça n'empêche pas que les quêtes ne sont pas faites, hein. Certaines, oui. Certaines sont déjà mises dans vos quêtes à suivre, mais la plupart du temps, elles ne sont pas faites. Alors celui-ci, si vous comptiez, comment dire, si vous avez l'ambition de faire genre un groupe d'aventuriers ou quoi que ce soit, ceci est votre, comment dire, ça serait un mode intéressant pour vous. Surtout si vous aimez faire du montage ou quoi que ce soit. Par exemple, je prends un truc tout con, le donjon de Nahulbuck, je pense que c'est faisable. Après, le problème, c'est que les personnages en soi ne sont pas après caractéristiquement comme dans les personnages du donjon de Nahulbuck. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, je vous explique. Vous avez, si je me trompe pas, 4 ou 5 compagnons. Mais qui vous suivent, hein. Il y a elle, il y a le troll, il y a elle aussi. Bon, sauf qu'ils sont pas très bavards, hein, comme vous avez pu le constater. Et voilà, j'avais bien 3 et 4. En gros, vous êtes 5. Et il y a lui. Hop. En gros, c'est ça. Et ceci est votre. On va dire ça comment? Votre camp? On va dire ça comme ça. Le mec qui s'amuse à foutre des coffres partout. Ne cliquez pas sur les coffres, sinon c'est. Ça sert à rien. Il n'y a rien de spéciaux ici, il y a rien. Il y a juste une table d'enchantement, enfin du moins ce que j'ai pu en voir. Peut-être une trappe quelque part, ce que j'arrive à voir. Par contre, ils font vite chier, hein, comme vous avez pu le constater. Non, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de passage secret ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi il a foutu ça en l'air, c'est pareil. C'est des coffres qu'il faut pas cliquer dessus, sinon c'est la merde. Bon, bah voilà. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. J'ai pas vérifié s'il y avait des villes préenregistrées. Ah ok, bon bah vu comme ça va être plus rapide. Il les a toutes. J'ai pas vérifié mon équipement. Ah. Objet. Ah, il y a pas mal de trucs intéressants quand même. Tout, armes. Bon, je pense qu'on va pas faire toute la liste. En gros, vous êtes blindé d'objets, voilà. Vous avez tout. Juste vérifier qu'est-ce que je veux. Ah. Les favoris, voilà, on est d'accord. Alors, on a bague d'Hercine, hein. Furie combative. Si, d'accord, impulsion, invocation d'un, invoquer Arvac, l'insertion d'âme. J'ai lu trop vite, j'ai cru tempête d'éclairs affamée. Oui, voilà, faut se réveiller, hein. Wabajak, Zephyr, ok. Eh ben, écoutez, vous avez une tenue pas trop dégueulasse, on va dire.
Mon ordi. Ah, attends, si. Tac. Eh ben, l'immortalité est... C'était le seul des numéros. En tout cas, ils sont vifs, hein. Ça, on peut pas leur, leur en vouloir. Ils sont vraiment vifs, hein. Ils tombent surtout le troll, hein. Il te l'a massacré, mais d'un coup, sachant que c'est un troll voilà, en armure. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord, suis-moi. Attends, où fiche le camp? Ok, d'accord. Je veux juste... Mes pensées sont toujours tournées vers mes frères. Je veux juste voir leur équipement, voir s'ils sont... S'ils sont boostés comme... Ah oui. Ils ont pas de la merde, quoi. Leur armure, ils sont enchantés, ça c'est sûr, ça se voit. Peut-être pas lui. En tout cas, elle, l'autre derrière, oui. On peut pas lui parler. On peut pas lui parler, ok. En gros, elle, c'est la chef. Ça, c'est sa acolyte, ok. Et bah non, non, en fait, non, c'est un pour deux, quoi. Oh! Ah non, en fait, elle est pas enchantée, c'est juste un sort qu'elle s'est mis. Putain, ils sont vraiment badass. Il y a un problème, t'appelles ton arme, enfin, ta petite équipe, c'est bon. Hein. En tenue, bon, bah, par. Oh, attendez, c'est quoi ça? Potion créée, son. Ok. Furtivité augmentée de. Ok. Ah, c'est sympa, quoi. Vous avez des trucs. Par contre, c'est pareil, l'armure, elle est vachement haute. Je pense que c'est pour ça que vous pouvez pas trop mourir. Bon, bah, je vous laisse l'explorer. Pour moi, c'en est fini, je pense. Je vais quand même vérifier. Mais je crois que je vous ai présenté vraiment tous mes modes. Désolé de s'être pris autant de temps, mais il y en a vraiment beaucoup. 1, 2... Ouais, ça c'est bon. 3, 4, 5. Ah, il y avait 11 modes. Et après, c'est mes trucs à moi. Voilà, de base, c'est ça que vous avez. Vous voyez ou pas? Ça, c'est par exemple le Ghost Rider, là, le truc décapité. À moins que ce soit une mode, un mode que j'ai pas réussi à charger, ça se peut aussi. Ces deux-là, c'est sûrement des sauvegardes que j'ai pas réussi à avoir. Vous me croyez pas? Attention. Regardez bien, normalement. Oh! Il y a un problème. Moi, ça m'avait dit. Comme quoi, bah ça m'a rien dit d'ailleurs, ça m'a fait friser le jeu. Alors là, franchement, à moins que ce soit une sauvegarde qu'on a déjà faite, ça se peut aussi. Oui, est-ce que je l'ai re-sauvegarde juste derrière une fois que j'ai réussi à la charger? Parce que, hein, voilà. Et les freezes, ça arrive souvent. Donc là, vous, normalement, vous êtes sûr que ça va pas trop friser. Si jamais ça freeze ou quoi que ce soit, vous relancez le... La sauvegarde, normalement, ça passe à un moment donné. Ah, c'est ça, c'est le cavalier sans tête. Pourquoi ils m'ont dit pas les des rois? J'ai pas compris, là. Enfin, bref. Donc, c'était Cheche. Je vous mets tout ça dans la description. Et amusez-vous bien. Allez, ciao à tous.